São Paulo, c'est la plus grande ville du Brésil et je pense que la du sud de l'Amérique. J'ai commencé à tomber d'amour pour la moto, je pense qu'avec l'âge de 10 ans, 11 ans. Mais toujours la moto était une chose très distincte pour moi, parce que là-bas, la moto coûte trop cher. Et j'ai commencé à avoir beaucoup d'intérêt pour tous les modèles. Je même savais tous les modèles qu'il avait à ce moment, la taille de la moto, la puissance. Mais jamais j'ai conduit la moto. Jusqu'à un ami prêtait la moto. Écoute, fais un road test avec la moto. Je roulais tout le temps premier autour de la place. Et mes amis disent, écoute, vous jamais conduit la moto? Je fais, non, c'est la première fois. Après ça, j'ai commencé à avoir vraiment intérêt professionnel pour ça. Je m'engagé dans un garage et le premier outil que j'apprends, c'est un bon pinceau pour nettoyer tous les morceaux. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs de grands mécanos de course, des mécanos spécialisés en moteur, des mécanos spécialisés en système électrique. Et toujours j'étais vraiment avec un grand intérêt d'apprendre comment ça marche, comment vraiment, qu'est-ce qui arrive dans la moto. Mais j'aime beaucoup faire de la moto, je pense que c'est une chose qui donne beaucoup pour la personne, du plaisir. Et vraiment, c'est une grande sensation de liberté que la personne pouvait avoir. Chaque jour dans un garage, c'est un jour complètement différent parce que la vérité est que quand vous commencez à travailler sur un moto, vous avez besoin d'avoir un lien avec la moto. Chaque moto, j'ai donné beaucoup d'amour et c'est certain que les clients sentent l'amour quand ils regardent la moto une autre fois. C'est mon ami qui fait la moto pour moi. C'est ça que j'aime beaucoup, que les clients pensent, c'est ça. C'est un ami, un très bon ami qui fait la moto à lui. Après 35 ans, il y a des fois que je me demande qu'est-ce que je vais faire au futur. J'ai déjà développé des produits, comme j'ai développé un moteur, un nouvel concept de moteur. E aujourd'hui, je suis vraiment content de faire les motos pour les clients, d'être vraiment proche avec les clients, avec les amis. C'est une chose qui me donne beaucoup de plaisir. Si je reste jusqu'à la fin de ma vie, j'espère plus un autre 50, 60 ans, je vais faire beaucoup de motos, mais sont toujours des motos très spéciales pour personnes qui sont spéciales aussi.